Et bonjour à tous, c'est Schnafou et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc vous me voyez là entouré par deux gardes de level 15. On croirait qu'ils sont vachement balèzes, mais vu que je suis niveau 43, ça va pas le faire. Donc voilà. Je me retrouve là parce que je viens de débloquer mon personnage qui était bloqué dans le vide. Donc je vous montrerai à peu près par où. J'avais mon cadavre qui était donc à peu près ici. Là, à peu près. Et mon âme qui était par ici, là. Dans ce truc-là. Vu que j'en ai chié beaucoup pour savoir et que donc j'ai été sur le forum, que quelqu'un m'a répondu. Une personne m'a répondu très sympa de sa part parce que je m'attendais vraiment que je sois obligé de recommencer un compte et tout. Ce que j'ai fait un petit peu en attendant, j'ai réussi à monter un mage level 17 en un jour. Un jour, 4 heures de jeu maximum. Vous allez me dire, oh là là, ça fait beaucoup, hein. Vous allez me dire, moi, 1 heure, facile, je fais 10 niveaux, ouais, mais bon, moi, étant mage, déjà, j'aime plutôt tout ce qui est rogue, baston, guerrier et tout, mais là, mage, c'est pas trop mon truc. Vu que j'avais pas envie de faire un guerrier, parce que ça me saoule assez de devoir taper avec une épée, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est bouclier, défense et tout. Voilà. Oui, donc j'ai eu quelques petites informations donc sur le cheval de le destrier thalessien. C'est grâce à une quête que vous pouvez l'avoir, mais le nom de la quête je me souviens plus. Donc c'est con ce que je dis, mais voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Pour l'instant, je sais que je vais aller péter la gueule à des gens qui m'ont fait chier dès le début. Qui sont level 30 maintenant que je suis level 43, que je suis paladin, que j'ai plein de sorts et qui m'ont vraiment brisé les couilles quoi pendant que j'étais soit mage, soit que là j'ai fait donc un deuxième paladin. Voilà. Oui aussi je suis VIP, donc qui dit VIP dit 20% 20% de rab d'XP, un truc comme ça. Le fly and start, donc ça veut dire que dès que je me mets pour un fly, truc comme ça, plus de bug de déplacement rapide. Ça pesait à un moment. Surtout pour moi qui avait bugué donc. Une mascotte. La mascotte. Voilà, je me rends mes XP. Une mascotte et un dragon donc. Attendez, ça se trouve ils y sont plus vu que j'ai débuté la dernière fois. Voilà, eux. Level 30. Voilà, level 30. Et dès que moi je me suis dit au début, c'est pour une quête et tout. J'ai cliqué sur eux, sauf que j'étais assez près. Voilà, je leur ai donné un coup. Donc maintenant, ils peuvent rien me faire parce que maintenant dès que je les tape, je gagne des points de vie. Voilà, avec mon paladin, je fais beaucoup de dégâts. Comme vous pouvez voir, 858, ça commence à faire mal. Surtout ça. C'est un petit épisode détente, le temps que je bute 2-3 mecs comme ça. Parce que ils sont vraiment chiants. C'est ce qu'on. Donc voilà, 99. Oui, alors attendez, je vous montre un peu les montures que j'ai eues. Il y a normalement dans le truc VIP, il y a celui-là. Le dragon. Donc il faut être level 60 pour avoir la licence de dragon et de vol. Je suis pas encore level 60, 43, voilà. Des trucs rapides. Le destrier au début qui était comme ça. Déjà était déjà pas mal. Donc celui-là est encore mieux avec des pointes et tout. Donc voilà. Et au niveau, désolé, des mascottes, j'ai Minitor. Voilà, qui sert strictement à rien. Mais qui est classe.
Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Je vais descendre de mes grands chevaux. Jeu de mots de merde, oui, je confirme. Voilà, qui est vraiment sympa. Bon, il fait rien, mais vraiment rien. Voilà, il fait rien. Bon, toujours le bug de main levée et tout. J'adore les mecs de 90 qui viennent là. Bon, en tout cas, bonjour à toi. Breakingberg. Je sais pas si je le dis mal ou si je le dis bien. En tout cas, je sais pas. Donc, j'ai accès à cette case. Alors, oui, aussi, truc chiant. Vous êtes un mage de la Horde. Donc, un mage de la Horde, normal, quoi. Un mage de la Horde, voilà, c'est ça. Un mage tout court, il a donc une sorte de truc comme ça, un sort, qui permet de l'emmener à Hurlevent. Donc dans un coin qui s'appelle la Cité des Mages. Donc oui, ça, je peux comprendre. Mais pourquoi les ennemis qui sont, les gens qui sont dedans, sont tous de l'Alliance et veulent tous te défoncer la gueule? Je sais pas, moi je me suis dit c'est normal ça? Level 1, ok. Donc elle a même pas, elle a rien fait quoi, elle a même pas gagné un niveau. Ah, attendez, hop 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 hop. Je vais alors le vent qui se trouve normalement par ici hein. Par là, si je me souviens bien, dans cette zone-là, donc la zone alliée et tout. Alors, on va aller là. Donc voilà, passage rapide. Donc pas besoin de faire des heures de vol et tout, mais bon, là je descends vraiment à 3 FPS facile à cause de la vidéo, mais d'habitude ça me fait pas ça. Je comprends rien. Aussi parce qu'il est obligé de charger et tout. Alors, quelques petites quêtes pourraient être intéressantes. Alors, moins 72 en armure, moins 99. Ah, épaule et main hâte. 93 en armure, moins 9 en bois. De toute façon, je sais même pas à quoi ça sert l'intelligence, donc. Ah, pas mal. Quête, voilà celle-là. Celle-là, j'y suis pas allé. Et donc, qu'est-ce que je foutais? Ah oui, j'ai voulu faire un donjon. Donjon, compliqué. Qui dit donjon dit compliqué. La carte qui, quand s'ouvre, ça te ferme pas, mais ça te fait bugger, mais à mort. Tu peux même pas l'ouvrir carrément. Donc, voilà, c'est assez chiant, sans dire vraiment emmerdant. Même si je l'ai dit, parce que donc vu que je pouvais pas ouvrir la carte, ben je pouvais pas voir où étaient les autres. Et vu que j'ai bugué, je l'ai fait, j'ai regardé au moins 3 fois pour voir ce qui se passait. Attends, c'est quoi ça? Creuse chair, tu es au nord de la terre et détruisez-le. Des bords putrides, ok. Benou. Wouh! Allez, viens, on le défonce sa gueule. Putain, il est un peu gros quand même. Hey! T'arrêtes de bouffer les gens, toi? Espèce de gros morve. Vous voyez, je gagne de l'XP, rien que, pas de l'XP, mais de la vie, tout simplement. Sans même faire un sort, donc c'est quand je le tape en fait. Si je fais un sort, mais pas trop. Voilà, 149, bim, ça je fais. Ça je fais. Mon pad il s'active. Tac. Voilà. Et pour le finir. Tac. Voyons voir, ça c'est la merde. Alors, une petite chose à vous dire.
Quand vous achetez, disons, un kit VIP, donc moi je suis VIP, hein. J'ai dû vous le dire, mais au cas où, je suis pas sûr, voilà. Vu que je suis VIP, j'ai dû donc payer. Donc payer forfait, tout, bon, truc normal que vu qu'on n'a pas de carte de crédit, ça dépend. Moi j'en ai une, mais je l'utilise pas, donc voilà. C'est compliqué. Donc je me suis acheté le kit VIP et je me suis acheté donc des niveaux avec donc mon autre paladin qui est donc level 70. Bon, là j'ai gagné beaucoup 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 d'XP, bientôt niveau 44. Ah, ça fait du bien d'être 44. Gauntlet 5 de hâte. Putain, mais c'est moi ou ça devient de plus en plus moche? Et je ressemble à rien, à juste la petite truc là, on dirait un œil là. Dirait qu'il a presque envie de faire un sourire. Voilà. Bon, je raconte de la merde, mais bon. 30 œils d'escarchemouche. Attends. Non, d'écorchemouche. D'écarmouche. Non, j'ai arrêté de dire de la merde. Quoique, même si j'en dis la plupart du temps, mais bon. Donc voilà, oui, j'ai donc eu un level 70. Alors lui, mon gars, tu es à moi. Donc avec mon level 70, j'étais level 10, donc j'avais pas beaucoup d'XP. Si j'avais pas beaucoup de thunes et pas beaucoup d'armure. Donc voilà, trois fois rien. C'était donc je l'ai fait surtout, c'était pour me faire un guerrier des. Un chevalier de la mort, que pour faire une vidéo, donc pour commencer un let's play sur Plan d'Acham, donc le lien sera dans la description, je pense. Ah, niveau 44. Voilà. C'était donc pour faire ça. Je l'avais donc pris. Donc pour faire un chevalier de la mort, pour faire un let's play dessus sur Pandacham et donc chevalier de la mort, parce que j'ai rarement trouvé donc des vidéos sur le chevalier de la mort, parce que c'est assez compliqué, et donc voilà. Bon, moi je vais m'en aller par un autre côté parce que là je bloque. Voilà. Donc un chevalier de la mort, donc je verrai bien ce que je lui mets comme atout, qu'est-ce qui se passera. Donc voilà, c'est surtout donc je vous expliquerai aussi qu'est-ce que c'est un chevalier de la mort, d'où il vient, de quelle extension il sort. Parce que pour l'instant je me suis pas trop renseigné, mais je compte le faire. Découverte de Zulmatsrad Mashra. Donc, buter des animaux. C'est un niveau. Oh, joli. Joli spécimen. Non, non, je déconne. Non, je déconne pas vraiment, mais bon. Je suis un paladin. Coup de bouclier, donc non, je peux pas encore le faire. Donc voilà, et donc il sortira d'ici pas très 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 longtemps, parce que je compte bien le faire même cet après-midi. Cannibale écorche-mouche. T'aimes bien manger des mouches toi avec tes grandes dents? Ok. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai voulu retenter Minecraft, un serveur Minecraft. Donc, vu que ça fait même pas une semaine que j'ai commencé WoW, c'est pas la peine, je me dis. Puis, au début, ça me dit, ouais, attends, viens, j'y retourne et tout. Là, pas trop envie d'y aller, quoi. Ça me donne. Je voulais essayer donc. Un launcher qui est sorti il y a pas longtemps,
où il y a vachement de monde surtout. Peut-être ça qui me bloque un petit peu, je dirais, mais bon, je dirais que c'est pas très 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 grave. Voilà, ça me tente pas trop, donc pour l'instant, je sais pas. Quatre d'anneaux d'oublier. Mojo puissance. C'est quoi ça, Mojo puissance? Lié de main. Arme de Dacha. Attends. Tac. Fait 51 dégâts par seconde. Ouais, 55 quand même. ça sert à quoi? Je sais pas. Le Mozo puissance. Ça me rappelle un vieux jeu Crash Bandicoot. Vous avez dû connaître étant enfant. Si je vous lance une technique de combat rapproché, pourrais-je vous défoncer la gueule à coups de marteau rugissant? Ouais, j'ai vraiment. Ouais, ça va plus, moi je dis de la merde. Ça s'arrange pour Young. Bim, coup de marteau! Alors, toi, tiens. 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 T'as toujours pas compris? Tiens. Tiens. Oh. Merde, j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire. Attends, je vais me soigner et tout, mais non. Comme ça, j'ai pas l'autorisation. Putain, vous êtes des gros fakes en fait. Tac, pas de poulet rôti, des œils. 217, ouais, mais c'est quoi ce fake quoi? Ah, excusez-moi. Un petit bug de prolongation. Ah, ok. Coucou. Non. What? Ils sont morts si vite. Lui, il en avait plus qu'un. C'est nul, mon gars. Il y en a certains, ils ont qu'un œil. Oh, attends, j'ai encore d'œil buté. Je crois que c'est les mêmes. Si c'est les mêmes, c'est pas sérieux. Vous voyez, si, il y en avait qu'un. C'est what the fuck? Ouais, ça va aller. Alors, vous voyez, mon armure. Comme ça, c'est pas très 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 haut, mais vu 180, 88, c'est quand même comme qu'est-ce qu'il est trop la classe, même si j'avais mieux quelque part. Voilà, celui-là déjà. C'est moi ou respawn direct là? Ouais, voilà quoi. 259 et tout. Voilà, 221. Là, on va voir si ça respawn vite fait. 154. Voilà, 3, 2 de force, 2 d'agilité, 3 d'endurance et tout. Là, 100 127. Alors, je vais vous dire combien j'ai d'armure. Voilà, j'ai 2600. 117 armures. Voilà. Force 108, agité 77, endurance 100, intelligence 69. Non, ça se trouve, ils ont été buggés. Les blagues trop compliquées. Alors, les mobs sont assez gros ici, mais ils prennent vraiment très cher. Bon, aussi un paladin comme moi de tel rang et de telle classe. Non, je déconne, je suis un peu trop roleplay. Sinon, j'ai un conseil à vous donner, si je peux me permettre, bien sûr. Intelligence 4. Ça, j'en connais certains qui en auraient bien besoin. Donc voilà. Si je peux me permettre, vous donner un conseil.
Allez voir les donjons de Malbec. Une série assez vraiment motivante. Pas motivante, mais vraiment très bien. Qui parle donc de donjons, mais très drôle, et on peut passer jusqu'à 5 ou 6 5 heures à faire. Excusez-moi. Excusez-moi, donc je viens de finir le combat là. Un petit appel. Un petit appel de mon papa. Non, je déconne, vous en avez rien à foutre. Donc oui, allez voir les donjons de Nalbuk. Un truc vraiment exceptionnel. Je sais pas, j'essaierai peut-être de mettre une image au montage, si j'y arrive. Si j'y arrive pas, bah c'est pas grave. Pour vous dire. Ah voilà, j'en ai 30, mais j'ai un. Je vais voir s'il n'y a pas un gros mode. Ah mais ici, je les ai déjà butés. Ah non, je suis pas venu ici. J'en étais où moi? Oui, allez voir les donjons de Nalbuk et les reflets d'acide, donc qui sont à peu près la même chose. Donc fait par le même auteur. Et donc vraiment très bien. Ça ressemble un petit peu à Noob, si vous connaissez donc la série. Qui est donc aussi en livre, mais aussi en bande sonore, si je me souviens bien. C'est une sorte de mini-film, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Mais t'es pas mort toi encore? Moi je croyais qu'il était mort en fait. Pour ça, je me reposais sur mes lauriers. 136, ça m'intéresse. Mon pantalon. Ouais, mon pantalon est vraiment trop bien. Pour sa taille et tout. Ah, un joli petit boss. C'est un boss ça. Oui. Oh oui. Voilà. Donc mon deuxième épisode détente donc sur. Sur PandaCham, un serveur World of Warcraft. Avec un accent anglais parfaitement anglais. Même un peu russe, si je comprends bien. What? Il a même des guerriers. Et moi, je me régène à fond. Ils servent à rien. Ah, je vous mettrai peut-être un petit peu le son parce que moi, je suis habitué donc à pas mettre le son parce que je suis souvent en conversation avec Gamer. Un ami à moi qui joue beaucoup à WoW. Bon, c'est devenu un novice car il a recommencé une classe paladin et je l'aide un petit peu. Bon, il m'aide beaucoup surtout parce que c'est lui qui me heal à chaque combat qu'on fait. Et puis voilà, il expère un petit peu avec moi. Sinon, vraiment sympa, il gère quoi. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, allez voir, bien sûr. 167 de mana. Je pense qu'il y a un truc un peu plus loin là. Ah, faut que je vois un truc. Test. Alors, test. Non. Non. Alors, mon test, c'est ça. Voir si les ennemis brûlent. Moi, en tout cas, je brûle. Non, toi, tu brûles pas. Test concluant. Voilà. Maintenant, je vais m'en aller avec mon chevau. Chevau, cheval. Mon chevauchon, même, je dirais. Donc, Donjon Nalbuk, reflet d'acide. Lien dans la description. Donc pour une vidéo YouTube. Après, je me souviens plus le nom du mec. Mon portable, où est-il? Je vais vous redire ça. Ça dure pendant 5 heures les donjons de Nalbuk, mais vraiment, c'est un truc à écouter, à voir. Vraiment. Si Gamer regarde ma vidéo, donc si tu la regardes, je te parle à toi, tout seul.
Bien sûr. Va le voir, je te donc il y aura le lien dans la description et tu pourras ça pourra ça sert à changer les idées. Puis c'est vraiment 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 très très bien quoi. C'est mec qui a fait ça, il a vraiment bien travaillé là-dessus quoi. Les voix et tout vraiment un truc de ouf quoi. Oh, maquette. Je dois parler à rien, c'est ça? Parler à rien. Normal, bon, lui, je vais rendre sa quête. Et donc, voilà, terminé ma quête. Donc, on va aller se retrouver là-bas. Et après, je vous laisserai. Ou je vous laisserai peut-être pas, en fait. Non, je vais vous garder style une petite demi-heure maximum, non minimum, et une heure maximum. Ma dernière vidéo a été un petit peu trop longue, je confirme, mais il y a vraiment du contenu. On a fait plein de choses, j'ai vraiment monté beaucoup de niveaux. Vous voyez là, j'étais niveau 29, je crois, la dernière vidéo que j'ai fait. Là, je suis niveau 44, bientôt 45. Ouais. Ça peut se faire de monter au moins de 2 niveaux quoi. Là donc détente, détente, détente. Ça fait une semaine que je joue petit à petit, mais ça fait une semaine que j'ai commencé WoW, Panda Cham donc, et ça fait donc ce perso-là, j'ai dû le jouer 24 heures au moins. Largement 24 heures. En 24 heures, un niveau 44, c'est quand même pas mal. Et donc après, avec mes autres persos, j'en ai même fait plusieurs avant. J'en avais fait plein qui étaient montés niveau 20. Vous voyez, j'ai en une semaine, si on joue bien 2-3 heures par jour, à peu près, on arrive vraiment à faire quelque chose. Quelque chose de bien, je dirais même. Donc ah oui, c'était là la dernière fois où je suis venu, et puis en fait j'ai fini par un. Mais c'est quoi ce gros mob là? Ah, c'est eux qui l'ont tué? Bande de sorciers! Mourez! Je savais pas ce que c'est, humanoïde. Culte de damné. Ok. Et ça fait quoi si je te fais ça dans la gueule? Et ça? Et ça? Et ça? Et là tu meurs. Enchère. Allez classe. Et j'aurais trop envie de la mettre pour voir ce que ça donne. Oh, elle est trop bien, on dirait un sabre là. Ouais, allez, c'est parti. Et si je t'attaque, tu vas te dire quoi? Tu vas rien dire du tout. De te prendre cher. Ouais, ça sert pas à grand chose, ça fait juste beaucoup de dégâts. Par contre, t'es super agile avec. Waouh, gère, fou gère. Pourquoi je me mets des soins? Ouais, par contre, c'est moins bien qu'avant parce que j'ai plus mon bouclier. Il n'y a pas vraiment de bonne épée qui marche bien, quoi. Là, vous voyez, c'est chaud patate. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais moi? Tire-lui, tire-là! La chance n'est peut-être pas loin. Non, je déconne, je dis de la merde. Mon marteau. Ouais, mon marteau qui fait super bien, quoi. Mon marteau qui fait du 30,49 de dégâts par seconde. 4 de force, 4 d'agilité, 4 d'endurance, 4 d'intelligence, 5 d'esprit. Et lui qui fait 1200 et des boîtes de dégâts. Oh là là. Voilà. Ça sert même à rien que je m'use à les taper. De toute façon, vous voyez, je gagne des points de vie tout seul. Là encore. Et là, c'est en. Non, pas ici. Quand j'utilise ce sort-là, là, c'est trop bien. Ouais, j'ai récupéré beaucoup. Ah, faudrait peut-être que je me fasse. Ouais, peut-être faire un petit rangement, moi. Bête cadavre. Impossible en cours de déplacement.
Alors ça, ces bugs-là, j'aime pas. C'est chiant, ça me saoule, c'est super chiant. Ah là, j'ai retrouvé mon bouclier. Puissance sacrée. Pam 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 pam. Alors ça, c'est super cheaté, je me mets comme ça. Voilà, pendant un petit moment. Et puis, juste à relancer des sorts pour les déflinguer. Donc ouais, en fait quand t'es paladin t'es ultra super cheaté. Alléluia, alléluia. 299 plus 10 de force. Mais je vais les mettre tout de suite même. Ça fait déjà un petit peu plus guerrier. Ça rend un peu mieux. Parce que les épaulettes aussi, bouclier, moyen moyen. Voilà quoi. J'aime bien. Ah putain, les mains en l'air encore. Sans pignon, je dirais même. Il y en a pas qu'un peu des champignons, par contre. Ah! Hop, 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 hop. C'est pas ici. Non, mais dis pas que c'est pas ici. Oh! Attends. Là, il y a une route à découvrir. Là. Ouais, bah, je l'avais déjà découverte. Gros boulet! Peste bois. Maquette est tout par là. Niveau 43. Oui, qu'est-ce que je raconte moi? C'est rien, niveau 43. Des rats habitent ici. Mais que faire? Un nain ici. Déjà que j'aime pas beaucoup le nain. Un squelette. Terminer la quête. Moins 216. Ah ouais. Quart de jambe. Oh ça je veux. Il y a encore une autre quête. Tain, mais voyez les quêtes qui sont là, mon gars, ça te ramène trop d'XP quoi. Oh, en plus elles sont juste à côté. What? Les porceaux qui te font trop mal, quoi. Quand même. Prends ça, vil porciné. Et ça. Et ça. Oh, ça c'est ma carte. Non, redonne-moi ma carte. Un mob de tuer. Alors attendez. Si j'ai bien vu. Deux grandes défenses de sanglier, deux grandes défenses de sanglier. Oui, c'est vrai, ils sont deux. Pff, quel con. J'ai dit encore une merde. De toute façon, vous allez me dire, ça change pas d'habitude. Regardez, ce coup-là. Ça donne trop de points. En plus, ça le tape. Quand même fort, hein. Ah, ferme, c'est anglais. Ah bah, quand ça enferme un, ça ouvre l'autre. C'est pas possible. 3 pour 3 porcinets sur 9, sur 9. Là, c'est des rats. C'est des rats noirs. Et bim! Moi, j'ai vu des petits lapins qui se sont fait tuer par des grands monstres avec des ailes dans cette voilà. Là-dedans je me baladais, il y a des petits lapins qui se faisaient tuer par de grands monstres et tout. Bon, aussi si je tuais pas aussi les petits lapins bon c'était pas moi le gros monstre, mais ouais il y avait des petits lapins qui se faisaient tuer par des gros monstres, c'était ça qui était le plus amusant. Je crois que le mieux c'est quand je tuais le gros monstre et en même temps que je tuais le petit lapin. Après vous me faites sanguinaire, espèce d'enfoiré! Bon après vous avez pas tort hein. Potion. Alors,
Il manque quelques porcinets. Je crois bien qu'il y en a plusieurs en parlant. Je vais le taper celui-là. J'ai en aggro plusieurs, comme ça je vais pouvoir les taper aussi. Tiens, toi aussi. Et là, bim! Prenez ça dans votre truffe de porc. Truffe de porc. Garnité de porc garni. Ça n'a rien à dire ce que j'ai dit. Gratiné de porc garni. Bim, level up, niveau 45. Tu as le droit à rien. Là, il n'y a qu'un porc, non, il y en a plusieurs. Tac, porciné. Non. Je te tape, porciné. Attendez, j'ai essayé d'aggro celui-là. Voilà, quand il y a du... Plus on est fou, plus on rit. Mais... Bon, bah, faut que j'arrête. Ça va plus. On va penser que je suis schizophrène après. Voilà, un peu d'XP pour vendre tout ça. Tac, la thune. J'adore la thune. Niveau 80, oh, ça c'est de la merde. Un cannibale? Ghoul cannibale. De sexe mort-vivant, niveau 43. 100% de menace. Merde alors. Je crois que je vais pas y arriver. Ou peut-être que si aussi. Ah, 68. 137. Alors comme vous pouvez le voir, en fait, les ghouls rendent des armes donc à la personne qui était là. En fait, ça, c'est ça. Et la ghoul cannibale, c'est cette personne-là. C'est un peu comme l'histoire des worgen qui se transforment en humain. C'est une sorte de loup-garou. Bah là, c'est une sorte de bête garou qui se transforme en moitié chose ignoble avec des trous. On voit juste ses côtes. Et ça c'est quoi? Excusez-moi. Livré à Comte Auguste. Mon ami qui habite dans la troisième maison à gauche. En fait, j'ai perdu de vue depuis une seconde, donc je me dis que ça serait bien que je lui envoie une lettre. Alors, par où rentrer? Ça m'a l'air compliqué. Aussi, il y a des mobs qui gardent l'entrée en plus. Ouh, il y a du monde par ici. Moi, je vais juste livrer ma quête. Kate? Kate? Kate, où es-tu? Mais qu'avons tous? Qu'avez-vous tous à vouloir me défoncer? Ah, on est une personne honnête, on fait des trucs honnêtes, on bute des gens honnêtement pour gagner sa thune et de l'XP. Je vois pas pourquoi vous venez nous taper. C'est vrai, on vous tue. On s'en fout. 157. Ah, une main! Ah oui, mais quand même niveau 50, quoi. Je prends ces jamais. 207, les bottes. Je prends aussi, parce que je suis bientôt niveau 46. Pas bientôt, mais d'ici pas longtemps, c'est sûr. 9 craft. Non, ça fait... 9 craft. 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 Ça fait craft. Snuff craft. Donc c'est pas de la merde. Je vous permets pas de dire ça. Non mais. Ouh. 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 Moi je le prends, c'est jamais. De toute façon, j'ai encore un peu de place. 159 niveau 49. J'ai pris le même. C'est pas grave, je pourrais le vendre. Ou le mettre aux enchères. Et gagner de la thune encore plus. Comme vous pouvez voir, j'ai 42 thunes. C'est tout. Et je suis niveau 45.
Donc oui, alors ma quête. Et où j'ai trouvé moi ce bonhomme? Alors merde. Je crois que j'étais là. Mais en fait, ce mec, point d'interrogation, ça se trouve dans cette maison-là. Ou peut-être pas. Mais je sais pas. En tout cas, si c'est pour livrer un objet et que ça te gagne 2000 et des brouettes, moi, j'accepte. Hein. Je suis toujours partant pour une telle expédition. Oh, un trou, ça se rend, on peut se mettre en position fœtale dedans. De toute façon, on peut même pas se baisser, je crois. De toute façon, je sais pas. Ça fait une semaine que je tout. Je sais pas. Je peux pas savoir comme ça, moi. Alors, elle est où cette putain de skate? Ça me saoule. Ça se trouve, le mec est dans sa dodo et est en train de se noyer. Ça serait cool, ça, par contre. On les arrête de parler comme ça parce que après. Ah, tu te moques des gens et tout. T'es pas gentil. Genre, à foutre. Ah, des petites araignées. Oh, t'es si mignonne. Ouais, je vais les miner. Requiert minage. Ok. Coucou les gens. Je passe à côté, je fais coucou. Et si je bute toutes les petites araignées? Et bim! 1400 dans la gueule, les petites araignées. Ok, je se retourne direct. Alors, attends. Si je fais K, et que je fais grimoire, et que je fais ça. Je crois qu'il y a un sort que je connais, c'est celui-là. Je sais plus si je peux l'avoir. Non, je peux pas encore l'avoir. C'est 46 qu'il faut. Ça, c'est bien parce que comme ça, vous pouvez faire peur aux humains. Aux humains. Ou humains. En fait, je sais même pas pourquoi je m'enfonce dans cette grotte. Bonne question, je me casse. Oh! Un marceau décrypte cadavre de niveau 40. Si c'est un cadavre, c'est pas à peine de dire que c'est un niveau 40. Mort-vivant de niveau 40. Ça, c'est mieux. Parce qu'un cadavre de niveau 40, ça ne sert strictement à rien, parce que c'est un cadavre. Un cadavre mort, c'est un cadavre mort. Même s'il est niveau 40, on s'en fout. Je suis coincé par des tuiles. Ça se trouve, je peux passer. Ouais. Oh, boulet. Ah non, c'est que ta grotte là se ramène là. Ah, c'est cool. J'en ai rien à la foutre. C'est au cas où. Si t'as envie de te déplacer. On va rendre la quête au vieux, puis voilà, c'est tout. Alors, je te rends la quête. Hein. J'ai dit celle-ci. Je vais mettre le pantalon tout de suite même. Oh yeah, la classe. Je pense que j'ai enlevé cette cape là. Je regarde un peu ce que ça donne sur la cape. Non, remets-la, elle est moche. Ok. Ah, c'est vrai que là, ça donne déjà un petit peu plus de classe. Cette cape, vous pouvez l'acheter donc ici. Une d'argent. Vous pouvez acheter ici. Là, par là. Ou plutôt l'acheter. Pas la jeter, mais l'acheter. Plutôt. Ah. Non. Par là. Là. Ici. Ici, là, il y a un monsieur. Il y a une dame avec un truc à peu près grand comme à peu près comme ça. Qui demande. Voulez-vous acheter? Ben là, vous faites oui. C'est tout. Trouver un organe après la tournée. Non. Bon, bah c'est parti. Ce que je vois, ça m'éviterait de faire ça. C'est parti. Et le trou de la grotte est par là. C'est bon, je suis dans le bon sens. Je suis dans le bon sens. Pourquoi mon portable capte quelque chose alors qu'il capte rien? Ça me fait un bruit dans mes oreilles, c'est un truc de ouf. Un système son.
Voilà, comme ça on va pouvoir un peu jouer avec de la musique. Voilà, vous l'entendez marcher, vous l'entendez faire des bruits. Et moi, je m'entends. Et attention. Non, pas là. Ah, c'est que j'ai un nouveau talent. On protège la cible d'un bouclier suprême sacré pendant un moment. Le bouclier absorbe également un maximum de 150 dégâts. Toutes les 5 secondes, je vais prendre ça. Regarde juste où c'est, là. Là, c'est qu'on a un allié et tout. Donc, je sais pas si on fera un donjon ensemble, à voir. Peut-être. Donc, peut-être après cette vidéo, faire un petit donjon. Donc, voilà, à voir. Je suis invisible. Je suis invisible. Je suis invisible. Ouais, tu veux une cible? Merde. Ouais, ok. Je suis presque à la sortie. Par contre, c'est infesté de monstres. Hein. Puis ils ont pas une grande intelligence parce qu'ils viennent pas m'attaquer. Ah, du fer. Fer, mais c'est trop bien, dis donc. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Voilà. Oh là. Ah, niveau 39, c'est. C'est qu'on peut en avoir de certaines couleurs différentes, mais c'est trop cool, tu peux. Maintenant, choisis tes ennemis de couleurs différentes. Tu peux taper un ennemi de niveau 59 avec une couleur violette. 39, excusez-moi. Ça prend une grande importance, 60, tu veux le défoncer, donc qu'il soit vert, marron, gris, jaune. Bon, c'est peut-être pour le let's play, mais pour le goût de l'aventure, c'est le tout. Musique spéciale. Cosplay pour vous? Bah déjà tu te fais manger par une sorte d'araignée gluante. Ouais bah attends tu vas voir. Oui. Coucou. 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 Ok, c'est une toile d'araignée géante mutante de la villa. Ouf. Mon destrier de 100. 100% de dégâts de vitesse en plus. Vous pouvez le voir ici. Et qu'il est trop classe en plus. Ça m'évite de taper tout le chemin à pied après. Le bug après qui se règle comme ça deux fois de temps en temps. Parce qu'après il y en a certains qui sont pas chétifs, des chiens infestés, machin truc muche. Ces trucs là là. Chien pestiféré, chétif. Chétif, ça veut dire petit, malheureux. Ça monte, ça ne. Pleure pas, connard. Non, je déconne. Bon, je sais où il est ton Gimli, il est là-haut.
C'est quoi ça? Spesteux capté, libéré. Voyage dans la caravane de Flora. Bon, faut peut-être que je trouve lui avant l'autre, mais l'autre je l'ai déjà trouvé. Je me demande pourquoi je dois les retrouver. Un humain, un nain? C'est étrange, je dirais. Pourquoi lui, il s'est enfoncé dans la montagne en plus? Alors, ce que j'adore, c'est... J'ai eu une petite peur. Tout simplement, pas une peur, mais un truc style. C'est un monstre, le truc vert là, qu'on vient de dépasser, mais non, je pense pas. Ça ressemble pas. Ouais. Oh, le casque de ouf! Je le veux. Je le veux. Ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Ok, c'est... Ouais, c'est ça. Bon, on va chercher Gimli. C'est ça. Bon. C'est une quête nulle. Abandon. Parce qu'après, j'ai plus de place. Non, ça, je suis aussi. Quête compagnon de voyage, 5 chiens. 102 chiens pestiférés. Non, t'es pas hors de portée, t'es juste à côté. Pourquoi je me suis healé? Je sais toujours pas. Ça aussi, ça me sert à rien, le style torche. Je tape, je fais mal moi, dis donc. Eh bah vu. Plus que 8. Allez, viens là mon coucou. En fait, partout quoi. Putain, je vais essayer d'en aggro plusieurs. Il y en a un là.
Chacun là. Eh ben c'est pas grave, hein. On va le défoncer tranquillement. Sans se poser aucun souci. Voilà, excusez-moi. Hop, un petit contrôle de temps. Allez, plus que 6. Casse-toi là, portable de mer qui me brousille les oreilles. Qui me brousille. Oui, je sais. C'est pas français. Ah, un loup pesti. Ça là? Chauve-souris? J'aime pas les chauves-souris. Ouais. C'est vrai que c'est méchant une chauve-souris. Ça peut sucer ton sang. Je crois que c'est ça le pire. Mec, il fait mode fuite. La musique elle est trop oppressante, ça me... Non, je déconne. Ah là, il y en a trois, mon gars, attends. Je les aggro, moi. Et le dernier. Plus qu'un. Mon loup. C'est vrai, pourquoi on bute des animaux tout le temps? C'est vrai qu'en fait c'est un peu compliqué au niveau des quêtes, mais ça, je m'en fous. Alors, est-ce qu'il y a une autre quête pas loin? Faut que vous ayez retourné voir Funa. C'est la quête de l'or, ça. M'en fous, je cours plus vite que toi. C'est à 100% plus vite que toi. Ok. Dit le casque. Niveau 46. Ouh, renvoie du mal, voilà, c'est ce que je disais. Pour faire peur aux hommes ou aux humains, disons. Le casque, là. Oui. Yeah. Trouvez pas qu'on a un petit peu plus la classe, là? Maître nain. Chasseur du niveau 44, joli. Je vais voir le nain. Oui, ça on a dit. Attends, il y a un truc là.
Monter dans la caravane de Mia près de la Fiona Cell. Sa caravane, c'est ça? Oh, un brin d'herbe. Cool. Ouais, on est dans sa caravane. Non, je déconne, c'est rien, c'est juste un petit bosquet. À moi. Ouais, j'ai trouvé sa caravane, je crois bien. Et bim, sa caravane de ouf. Tu fais une place. Je m'en fous. J'arriverai quand même. Et bim! Tu dis quoi de ça? Tu dis rien, hein? Je te monte sur la tête, sur le cul, sur les ailes, je sais ce que je veux. Voilà. Bon, maintenant, aller là-bas. Il le faut. Avec mon nouveau casque. Ouais, vous avez vu ça? Faut, alors, non, il y a un truc à faire. Juste ça, c'est tout. J'en peux plus. Je suis fatigué. J'ai passé une journée à jouer. Quelle heure est-il? 4 heures, bah cool, on va pouvoir continuer. Ah. Alors, lui. Ouais, va faire un bon voyage, hein, moi c'est sûr. Hein. 8 billes de crypte, récupérées sur les nerfs bien de tunnel de Ferrister. Tant qu'on gagne de la thune, moi ça me va. Surtout l'XP en fait. Ça commence à être de plus en plus chaud pour être un bon level. Toute façon, ça sert à rien. Je peux les aggro, j'ai des sorts de masse. Voilà, j'en ai un gros plusieurs en fait. Bim. Quoi des billes de crypte? Nuremia. 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 C'est quoi les Nuremia? Bim! Pile le crypte sur les Nérumiens. C'est quoi les Nérumiens? Ah, ça se trouve c'est des champignons.
T'as plus dans le cocon. Non, c'est pas ça. Oui, c'est vrai, je parle plus là. Je suis tellement concentré et tellement fatigué pour trouver cette merde que je m'emmerde en tout cas. Un cul-de-sac. Ah non, là. Moi, je vais sortir de ces grottes, elle sert strictement à rien. Je trouve rien. Si je trouve au moins quelque chose, je ne dirai rien. Ça monte de partout, ça grimpe de partout. Ça, dis donc. C'est un chemin de merde, regardez, il y a un trou de partout, quoi. Même pas des gens qui ont creusé, c'était un trou fait naturellement. Ah, mais moi ça peut même pas être droit. Le champignon sacré qui te coince. Horreur, ouais, c'est vrai. Ils ont pas monté sur ma fondise. Hein. Oh putain, le hélium par contre. J'ai besoin de me fatiguer. Ouais, prenez ça dans vos gueules, bande de mobs. Tac, tac. Voilà, j'en ai une grosse partie. Ah, ça. Encore là, toi, c'est pas... Ah. C'est vrai que j'en avais rencontré de la bave. Oh non, ça me saoule, j'ai pas envie d'y retourner. J'y retournerai plus tard. En sans filmer parce que ça me saoule un petit peu. Alors je sais où on va aller. On va aller là. Quand je passe au niveau 47, après je vous laisse. Puis on va bien voir. Vous voyez, c'est en fait ses yeux, c'est des petites ampoules. Ça peut même éclairer dans la nuit, c'est pareil. Donc, on va aller tout droit, toujours tout droit. Si tu fais des putains de mobs. Non, en fait, on n'en tue pas. Voilà, on marche, on marche, on marche. J'ai même pas besoin de toucher à ma souris. On marche, on marche. Même pas mon clavier.
juste à mon pad. Putain, et puis cette musique de merde. Ah si, là j'ai besoin de toucher ma souris. Pour savoir un petit peu où je vais. Par là. On doit aller là. Eh ben on l'a bien dans le cul de toute façon. Bien, moi, quand je courais, je suis pas les jetons, moi. Truc de merde. Chier de découverture. Bref, je cherche. J'avais pas une quête à rendre ici. Voyager dans la caravane de Nana. Ouais, mais à côté, c'est quoi? Voilà, trouver le compagnon idéal. Compagnon idéal. Je sais pas, mais en tout cas, il y a des quêtes. Bien sûr, 11 ans plus tard. Attends, c'est encore loin. En fait, dans le jeu, tu fais que de marcher. Tu fais au moins la carte 3 fois avant d'y arriver. Ah. Non. J'en ai le quête plein. Et ben on a le quête partout. Oh, c'est quoi ça? Ouvre-toi, ouvre-toi. Non, je déconne. Et si on fait zéro niveau. T'inquiète pas, ça va s'arranger. C'est normal qu'il y en a certains qui soient comme ça. C'est what the fuck. Alors, je dois trouver un putain de compagnon. Bah moi aussi, j'ai oublié le côté. Oh, classe. Audience, par contre. Tranaïde. Non, mais je viens juste pour t'emmerder. Pourquoi elle regarde la carte en même temps que moi? On va aller là. C'est parti. Youhou. On saute dans le vide. C'est rien, c'est juste que 1305 points de perdu. Putain, au début je crois que c'était un bras. Comment j'ai eu trop peur. Putain, la taille du mob. Sans la taille, ça fait pas l'XP. Excusez-moi pour cet avion de sas. Putain, mais il est trop cher quoi. Alors, récupère les runes de contrôle et... De toute façon, j'ai pas envie de lire, ça me saoule.
Non, ça doit pas être là. Ah, la vallée des fondus. Plutôt l'antre des fondus, c'est plutôt mieux. Alors attends. Récupérer les runes de contrôle sur les spectateurs des ténèbres. Spectateurs des ténèbres. Champion du fléau. Spectateur du ténèbre. Ah, je connais cet endroit. Disséminateur de peste. Tu vois, mais j'ai défoncé ce truc. Pourquoi il y a plein de mobs? Quoi? Qu'est-ce qui me parle? Tu as trouvé des runes? Écran. Non. Je sais qu'il est parti, mais on sait jamais. Oh là là, pfff. Bouclier. Noble singulier. Putain, il y a des boucliers, mon gars. Par contre, le casque, la 5 d'esprit 436. Putain, mon gars, 436 en haut. Putain, en plus, il a l'air trop classe. C'est moi ou il y a un mob géant squelette? Ouais, peut-être. Peut-être parce que c'est un mob géant squelette! Mais dis donc. J'ai cru que l'autre il avait rien vu. Comme équipement en armure, non, c'est bon, ça va aller. Non, ça va aller aussi. 14 d'endurance. Ah non,
sombre brage. J'ai envie d'aller me tester lui. Oh, il fait rien. C'est un squelette de merde. On sait jamais. Après, faudra que j'aille faire un petit tour à la boutique. Pas la boutique dans le jeu, mais la boutique les enchères en fait. Ce qui sert beaucoup. Un coup affaibli. Celui-là aussi il me plaît beaucoup comme bouclier. Ah, c'est que j'ai déjà fini la quête. Ben non. Faut que tu les atteindre, ils sont tellement hauts. Il y a peut-être un truc. Régulier le contrôle sur les spectres, on va puis... Récupérer le contrôle sur les spectateurs des ténèbres. Adepte noir. Champion du fléau. Champion du fléau. Spectateur des ténèbres. C'est quoi ça? Une sorte de poule? T'es pas sérieux? Des poules. Je crois que les poules allaient me bombarder et tout, mais non. Ah bah. Bon, lui, il est carrément dans le truc. Vous avez vu le home de machin truc mouche. Par contre, je vais pas trop, je sais pas où on trouve des trucs des spectateurs des ténèbres. Et puis attends, ça se trouve là déjà. Sur nous un objet de quête. Graine de nana, granule surchargée, non. Moi non. Il faut être niveau 54. J'essaye celui-là. Même pas touché au poulet. Ombrage, culture des damnés. Mais c'est quoi un spectateur des ténèbres? Ils sont what? Adepte et ombre mage. Seigneur sombre bro. Ça me fatigue tout ça. Putain, ouais. En fait, si je suis fatigué.
Ça comme ça me saoule, hein. Ah, le même casque. Y a pas une autre quête là? Alors, utiliser les graines de nanana au centre de 3 zygomas de la vallée Fongu. Ok. Ah, c'est ça le truc gluant qu'on cherchait la dernière fois. Ah, excusez-moi, putain. Pas ce que j'ai. Je me demande si on peut pas aller au-dessus. Ce sera où c'est possible. Non, là j'ai sauté dans le vide. Ok. Bon allez, moi je me casse, sans me briser les couilles. Vous aimez voir ça, hein? En fait, y a rien. J'avais pas vu qu'il m'avait écrit, dis donc. Bon. C'est de finir cette quête, moi. Il y a un truc bizarre ici. Ah là, je suis en train de laguer, je sais pas ce que j'ai. Ça va pas trop bien là par contre. Je me demande où est l'épée en fait, c'est ça que pose comme question. Je regarde si j'ai un meilleur point. Là c'est le crâne. Je sais pas. Bon. Il me disait absolument que c'est là, mais là c'est le crâne en fait. À moins que dans le crâne il y a autre chose, mais. Pas bon, bah on va se déplacer vers là plutôt.
Ah, 6. Là, vous voyez, en fait, il faut juste un petit peu bouger. Puis là, voilà. Voilà. J'ai les aggro. Oui, ça j'attaque, je lance, je bousille. Plus que 11. Bon. Voilà, j'en ai eu deux d'un coup. Dans ce moment-là, c'est que le vaisseau compte 6, il nous reste plus que 9 à buter. Je vais te les compter un par un. Voilà. Attends, il y a peut-être tout le truc, non, il n'y avait rien d'autre. Et voilà, on va se ramener. Ouh. Coup de bouclier. Colère divine. Et bouclier du vengeur. Plus que 6. C'est vrai que c'est nul. Le R là. C'est un écureuil infecté. Il avait aucun mérite. Coup de marteau rugissant. Mais plus que quelques-unes.
Plus que deux. Ah, j'ai bientôt passé mon level. J'adore, j'ai la table de 90. Là, je vais rendre mes quêtes et je vais vous laisser après donc. À vos occupations primordiales. Et plus je sais pas si je vais m'endormir sur mon ordinateur ou en... pas encore, peut-être. Mais allez, tu l'as. Voilà, quête terminée. Bouclier templier de la force. Et ben voilà. On va rendre nos quêtes. Je vais lui dire deux mots à celui-là. Rien pour y rendre sa quête, puis qu'il nous fasse pas chier. Oula. Très lugubre. Tête de mort, des crânes. C'est pas là. C'est juste à côté. C'est plutôt par là. Je rendez-vous avec mon cheval, petite. Putain. L'XP que ça te donne. J'ai du chou parce que du cheval, excusez-moi. Bon, on va vider d'un truc. Ça coûte une pièce d'or. Ça, c'est un objet de quête. Rien. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que je vende. Bon. Mais c'est quoi que j'ai récupéré alors? Faut que l'endroit de la poupée paye là? Il y a beaucoup des flancs là, des trucs.
pourquoi sa poupée elle est en petits morceaux aussi. Pourquoi je peux pas avoir les pieds? Non, 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 c'est pas sérieux. Oh putain, j'espère. Non. Attends, là, il y a la tête. Qu'est-ce qui manque? C'est bon normalement? Non, il me reste un truc à aller chercher. Regarde, ça ressemble trop à des pieds. Puis là, il y a re la tête. Est-ce que ça se trouve, non, je les ai pas les pieds. Putain, fait chier. Serveur privé. Donc elle est là-bas, la fille. La fillette, elle se tirait même. Le seul boutique. Non, putain, c'est pas sérieux. Putain, tu trouves des jambes, mais tu peux pas les avoir. Car tu lui donnes un squelette à la gamine. De toute façon, c'est un fantôme. Tu veux qu'elle en fasse quoi? Ah, un lapin. C'est le lapin fantôme? Putain, c'est trop what the fuck. Oh là là, où j'ai trouvé ces putains de pieds alors? Vous voyez, ça ressemble tous à une pied, quoi. Bon, je vais rendre mes quêtes. Voilà, ça me saoule. Je vais là-bas. Cette fois-ci, j'arrête. Parce que sinon, vous allez avoir une vidéo de 1h30 avec un mec qui dit rien, qui a pas de contenu, y a rien. Voilà. Ça vous saoule, vous allez quitter la vidéo, et après vous mettre un pouce rouge, et puis... Et puis en fait vous vous en foutez. Bon. Alors j'en m'inquiète. Ah bah moi il est bien, je crois que oui, gamine. OK. C'est pas moi qui ai fait ça, ça a bugué, c'est tout. Sinon c'est nul. Enfin terminé, dis donc. Bah, elle est fatigante ta journée.
Voilà, j'ai juste allé par là. Prends juste tous mes points. Et je veux aller là-bas. Alors, avant de vous quitter, avant de terminer cet épisode merdique et chiant, on va aller vendre deux, trois trucs à la boutique. Et puis moi, après, je vais arrêter de jouer. Parce que ça fait un peu longtemps que je joue. Puis que ça me saoule surtout. Et oui. Alors attendez. Ah oui, c'est cette grosse bête-là, là. Les faucons dragons de ciel tombe jour, un truc comme ça. Non, de dragons de lune d'argent. Et ben ils attaquaient des petits poneys, des petits lapinous. Alors moi, j'ai dit, oh bah ben non, on va pas attaquer les petits lapinous. Puis eux, ils ont fait, oh bah c'est nous, on attaque les lapinous quand on veut. Hein. Donc voilà. Bip. On y va, on y court, on y va. Pourquoi j'ai pas pris mon... Nier. Ça se trouve, j'ai du courrier. Plus que 29 jours avant de pouvoir l'acheter. Je cherche le truc des commerçants là, parce que des ventes et des achats. Si vous voulez des sacs, là-bas ils en font en fait. Par là. Non, rien. Le jamais personne ici en fait. On va changer un peu de monture. J'ai pas oublié de faire un bruit bizarre. Hein. Ok. Je crois bien que c'est par là. Je suis pas sûr. 75, 75. Oui, je sais, je suis niveau 47. Ah, attends, ça se trouve, j'ai des armures. Sortir par là. Voyez là où il y a les sacs. Ah là c'est ici. Le marchandage. Vente. Karim Chrome. 5 pièces d'or. Chrome. Chrome. Quelqu'un qui l'a pris à 30? Eh, mais le mec, il est complètement fou, hein. Eh, ça coûtait 2 thunes, hein. Bon, toi, t'as pas le swag. Et comme gros bâtard, je mets 20 à la place de 1. Le dépôt, c'est un dieu.
fortune. Voilà, je suis sympa. Allez, non, je passe si 99. Vous devez réparer cet objet, ok. Et voilà, ça c'est quelque chose de fait, mise aux enchères. J'ai carrément humain. Non, j'ai pas lié. Les trucs de mana, moi, ça me sert à rien. Donc voilà, mise aux enchères. Voilà. Ça c'est cool. Allez, soyons fous. Voilà, comme ça. Ok. Voilà, comme ça c'est un petit peu bien, un petit peu rangé quoi. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. Donc moi et moi cavalier. Et le paladin, Schnafcraft de niveau 47 avec son cavalier. Vous dit au revoir. À une prochaine fois.